Bonsoir à tout le monde, Général 5 étoiles. Ben, cette vidéo, c'est pour mettre en nu le complot de l'UFDG. Partagez au maximum tous ceux qui sont dans l'esprit de professeur Alpha Condé. Partagez la vidéo au maximum. Chez nous, il n'y a pas de secret. Tout se dit ici. Voilà. Les autorités sont déjà au courant. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes sans savoir qu'on a un nouveau président de la CENI qui est très jeune. Et l'UFDG, à l'époque, ils ont, en 2010, ils ont tout planifié. Quand nous nous disons que c'est le tout-puissant Allah qui donne le pouvoir, en 2010, ce qu'ils ont planifié. Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme eux, ils voulaient, en 2010. Et grâce à Jean-Marie Doré, à Sékouba Konaté, on a évité le pire. Les voies de la Haute-Guinée ont été annulées et la CENI a été corrompue. Et heureusement, Dieu a donné le pouvoir à celui qui méritait. Donc, l'UFDG aujourd'hui, je vous ai dit, moi quand je parle, les gens disent « Non, tu es ethno ». Je vais dire aujourd'hui, il y a une chose qui fait mal aujourd'hui. C'est comme le secte, les frères musulmans de l'Égypte. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Des fois, quand j'attaque, je dis, moi, Damaro, je suis contre Alpoulal. Les gens pensent que je suis contre les peuples de la Guinée. Non. C'est des problèmes de tension que Alpoulal va créer. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Je suis d'accord qu'on parle de l'union du Fouta Diallo. Je suis d'accord qu'on parle de l'union entre les peuples de la Guinée. Mais je suis contre qu'un peuple du Nigeria se mêle du problème guinéen, qu'un peuple du Mali, ou un peuple du Sénégal, ou un peuple de la Gambie, de la Guinée-Bissau, se mêle du problème de chez nous. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Quand j'entends les gens parler de Baro, de Macky Sall, de Bouhari, on ne nous parle pas, de Roch du Burkina, on ne nous parle pas d'Alassane Ouattara. On ne nous parle pas du président du Bénin ou de autre chose. Parce qu'ils sont déjà dans l'esprit Alpoulal. C'est ce que les gens n'ont pas compris aujourd'hui. C'est ce jeu qui est là aujourd'hui. Quand j'entends des gens parler que oui, l'UFDG, tant. Asseyez-vous, cette communauté de l'UFDG. Je vous dis, asseyez-vous. C'est pourquoi eux, la politique, c'est autrement. Je vous dis, quand je dis à nos frères que le problème qu'on a en face aujourd'hui n'a rien à voir avec Alpha Condé. On veut juste l'utiliser. Et ce combat, nous n'allons pas baisser les bras. Partagez au maximum. J'ai dit, on va parler. Comme eux, ils pensent qu'ils sont forts, on va parler. Aujourd'hui, avec leur clan, Ja Alpoulal aujourd'hui, c'est ceux qui se forment aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de tout mettre en œuvre, comme ils l'ont fait en Guinée-Bissau, en Gambie, soutenu par le Sénégal, des élections, je l'ai dit, les commissaires, les responsables du RPG doivent beaucoup se lever. On a un jeune, voilà, président de la CENI, il ne sait même pas comment les trucs se passent. Le pire qu'on a évité en 2010, il n'est pas au courant. Le système clowné. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui. Ils sont en train de corrompre le maximum de commissaires aujourd'hui à la CENI. Donner de l'argent avec des promesses. Si au cas nous devenons président avec des promesses, c'est pourquoi j'ai dit aux responsables du RPG, des élections même organisées par les États-Unis, par l'Union européenne, le professeur Alpha Condé passe haut la main avec un score grand, je vous dis. Mais si les responsables du RPG sont assis, minimiser certaines choses, l'UFDG va profiter de tout. Ils ont leur plan A, ils ont leur plan B, ils ont leur plan C. Donc, les responsables, moi, je ne vais plus contacter maintenant un responsable du RPG. Moi, le combat que je fais, je vous ai dit, je vais continuer. Tant que ces gens-là sont en face, j'ai pas besoin. Personne ne me dira qu'il m'a vu dans son bureau ici, depuis que je suis à Conakry. Personne, aucun responsable du RPG. Donc, je sais pourquoi je mène ce combat. Donc, je le dis, les responsables du RPG doivent se lever, se réveiller.
La CENI aujourd'hui, l'UFDG est en train d'infiltrer ce système aujourd'hui. Si vous êtes assis, je suis d'accord pour une élection libre et transparente. Mais je vous dis, le scénario de 2010, grâce au bon Dieu, grâce à Feu Jean-Marie Doré, grâce à Sékouba Konaté, grâce à des bonnes personnes, on a évité ce vol que les militants de l'UFDG. Vous avez vu 2015, vous avez vu le un coup KO. Eux-mêmes, ils ont compris. Il y a eu le un coup KO. Donc, je vous dis, partagez au maximum. C'est le scénario de la Gambie, de la Guinée-Bissau qui sont en train de mettre actuellement en place aujourd'hui. Ils sont en train de mettre ce système en place aujourd'hui. Vous, vous êtes sur le champ en train de mener campagne. On voit aujourd'hui comment les campagnes se passent aujourd'hui. Nous, nos responsables, les cadres se déplacent peut-être 10 véhicules. Au maximum 15 véhicules pour aller vers la population. Mais aujourd'hui, nous voyons comment l'UFDG est en train de se préparer. Donc je vous dis, préparez-vous le RPG, préparez-vous, je vous dis, la CENI, préparez-vous. Ne laissez pas la CENI, je vous dis, on a un jeune président à la CENI. Ne laissez pas. Les commissaires de la CENI sont infiltrés. Voilà, le système qu'ils ont mis en place, ne vous asseyez pas. Ne vous fiez pas que aux images aujourd'hui, dire qu'on est sorti la population. Les gens vont voter, c'est clair. Nous allons avoir, nous avions la majorité des Guinéens qui sont prêts aujourd'hui pour accompagner le professeur Alpha Condé. Mais l'UFDG, ils ont tous leurs plans en place aujourd'hui. Corrompre la CENI, je vous dis. Faire, en tout cas, jaillir des résultats qui ne vont même pas avec la réalité. Je vous dis, tout le monde a vu les gens sortir massivement. Ce sont eux qui se déplacent parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Tromper les gens. Mais nous, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on montre comment ils se déplacent. Ils vont de milliers dans des villes aujourd'hui pour tromper l'opinion nationale et internationale que le boulanger est populaire. On a vu les images de Mamou, combien de motards, combien d'individus sont allés à Farana, combien d'individus sont descendus à Massanta jusqu'à Zérékoré. Donc je vous dis aujourd'hui, voici ce plan qu'ils sont en train de mettre. Mais je dis à tous les patriotes, je dis bien, à tous les patriotes, asseyez-vous. Ce clan ethno, appuyé par leur organisation Al-Poulal, ils n'ont pas dit l'organisation du Fouta, des Peuls, je dis bien, des Peuls du Nigeria, des Peuls du Mali, des Peuls de la Gambie soutiennent ce Loudane. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. Quand vous êtes assis, moi je vais vous réveiller. Je ne suis pas contre les associations au Fouta, l'unité du Fouta Diallo. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre que des individus venant d'ailleurs soutiennent aujourd'hui ce Loup depuis l'étranger. Vous voyez le président de la Guinée-Bissau aujourd'hui. Vous voyez le jeu de Macky Sall aujourd'hui. Même celui qui est le vice-président de la Sierra Leone, vous voyez le jeu aujourd'hui. C'est le système qui est là aujourd'hui. J'ai dit ce n'est pas des élections. C'est des clans aujourd'hui, des ethnos aujourd'hui. Tout est programmé. C'est pourquoi j'ai dit aux patriotes, asseyez-vous. Asseyez-vous devant ces ethnos-là. Asseyez-vous. Même après le professeur Alpha Condé. Ce que eux ils veulent, c'est le pouvoir. J'ai dit... Il parlait de démocratie, de développement. Selou était aux commandes. Il était premier ministre. Qu'est-ce que Selou a apporté à la Guinée? Il était premier ministre. Qu'est-ce qu'il a refusé de faire? Pourquoi il n'a pas démissionné dans le gouvernement de Conté? Parce qu'ils avaient le contrôle de la banque centrale. Lui et avec les shérifs. L'argent, c'était dans la main des particuliers. Je l'ai dit à l'époque. Même des sireurs, je dis bien des sireurs, en 6 mois, ils avaient des boutiques. Pourquoi cette réalité ne se passe plus aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi des sireurs d'aujourd'hui n'arrivent pas à avoir même une table? Pourquoi ça ne se passe pas? Et en plus de cela, les étages en Guinée, où poussaient les étages? Où poussaient les étages? Comme si c'était de la magie pour faire de l'argent. Soyons tout ce que ces gens veulent aujourd'hui, ces ethno-commerçants aujourd'hui, qui soutiennent, qui mettent de grosses sommes pour ces loups, c'est le même jeu. Comme au temps de Conté, comme les gens ont été trompés. J'ai dit, Sékou Touré laissait plus de 100 et quelques unités en place. Les gens de la basse côte, il y avait plus de 60% qu'ils étaient salariés.
Quelle politique ils ont fait? Ils ont privatisé ces usines. Les gens de la basse-côte, ils se sont retrouvés où? Au chômage. Ils se sont retrouvés au chômage. Par la faute de qui? Les Selous et les shérifs qui étaient à la banque centrale. On donnait l'argent à des particuliers. Acheter la terre des gens pour appauvrir les gens de la basse-côte. On a vu. Regardez aujourd'hui le gouvernement du professeur Alpha Condé. Moi, je suis à Kaloum. Regardez Kaloum aujourd'hui. Les étages qui poussent. Allez-y demander les propriétaires. Il y a l'égalité aujourd'hui. Il y a l'égalité aujourd'hui. Les étages qui poussent aujourd'hui en Guinée, allez-y demander les noms. Mais au temps de Conté, c'était des particuliers. Parce que les Selous, ils avaient un système en place où ils avaient la mainmise sur l'économie, les devises. Dadis en a parlé. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas le contrôle aujourd'hui de l'économie. Donc, voici le mal qui est là aujourd'hui. Voici le mal qui est là aujourd'hui. Quand j'entends des gens dire, oui, c'est rentré, c'est sorti. Vous avez vu quel pays qu'on peut développer en 10 ans? Vous avez vu quel pays qu'on peut développer en 10 ans? Je vous dis, asseyez-vous. Le système Al-Poulal, c'est ce qui est là aujourd'hui. C'est comme, ils se sont inspirés du système des frères musulmans. Et c'est ce qui est en train de rouler aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est vous, vous ne comprenez rien du tout. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Celui de la Gambie, celui du Sénégal, celui du Mali aujourd'hui, financent tous aujourd'hui ces loups. C'est pas pour rien qu'ils font des grosses sommes aujourd'hui. Ils font des recettes. C'est ce qui est là, oui, Al-Poulal. Ils sont là tous aujourd'hui pour soutenir ce loup d'Alain. Même le président de la Gambie, il a été clair. Il a été clair. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères, ceux qui parlent que démocratie, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ce n'est pas ce loup qui va nous donner une leçon de démocratie. Ce loup était dans le gouvernement de Conté. Il était le parrain du coudéisme. Il était le parrain du coudéisme, je dis bien. Il était le parrain du coudéisme. Même l'abbé. Bamamadou, les Siradjo. Hein? Feu Bamamadou et Siradjo. Ils n'ont même pas gagné à l'abbé. Qu'est-ce qu'eux, ils vont nous dire? Il y avait le courant à l'abbé, il y avait les routes, il y avait quoi à Cancan? Ils parlent de Sigiri, Zérekore, Yomou. Il y avait quoi là-bas? Mais ils étaient le parrain. Moi, je le dis, s'il y avait un candidat neutre qui était là, ça allait me donner à réfléchir. Ça allait me donner à réfléchir. Peut-être j'allais dire oui, le professeur, deux mandats suffisaient. Mais ce n'est pas face à ces bandits. Sidia, Kouyaté, Selou. Non, je préfère le professeur Alpha Condé que ces personnes. Parce que ce sont eux qui nous ont mis en retard. 24 ans. Qui d'entre eux a démissionné? Qui d'entre eux a démissionné? Qui d'entre eux a dénoncé? Je vous ai parlé des projets miniers. Simandou, qui a été vendu au temps de Conté. 250 millions. Où était Selou Dalé? Où était Kouyaté? Où était Sidia? Pour dire, non, ce projet... Ça ne profite pas à la Guinée. 250 millions. Le même projet, grâce au professeur Alpha Condé et son gouvernement, est à 14 milliards de dollars. 250 millions. Si les kilomètres coûtent plus de 1 million de dollars, ce projet, on allait avoir combien? Combien de routes? Si le projet a été vendu à 250 millions, Tcham est en prison aux États-Unis. Soyons sérieux, soyons véridiques. Grâce au professeur Alpha Condé, le pays va beaucoup changer. Se nommer Ousmane Kaba, il a parlé que tout développement dépend de l'électricité. Quel est le président qui s'est investi dans ce domaine? Oui, pour développer un pays, il faut avoir les moyens. Lorsque le professeur venait, il n'y avait rien dans la caisse. Il a fait sa politique. Aujourd'hui, on parle de 5 barrages. C'est Kaleta qui est fini, Soapeti et d'autres micro-barrages sont en finition. Le travail est là. Mais ceux qui ont mis le pays en retard ne peuvent pas nous donner de leçons de démocratie ou de développement aux Guinéens. Donc je le dis aujourd'hui, c'est Selou Dalé est le mal de la Guinée. Aujourd'hui, on a la pire des personnes, je vais dire, c'est Selou Dalé, avec leur projet Al-Poulal. Je vais le répéter 10 000 fois. Le projet Al-Poulal qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes, qui va faire beaucoup de mal aujourd'hui en Guinée. Je dis... Le projet Al-Poulal, je l'ai dénoncé depuis que j'étais aux États-Unis. Je l'ai dénoncé depuis que j'étais aux États-Unis. Et c'est ce projet qui est là, qui va nous étouffer tous aujourd'hui, on est assis. Le projet Al-Poulal, qui va nous étouffer tous aujourd'hui, nous sommes assis. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est un combat communautaire, purement communautaire. Cette communauté de l'UFDG, c'est un combat purement communautaire. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Mes frères, réveillez-vous. Mes frères, réveillez-vous. Le projet Al-Poulal va nous étouffer tous. Moi, je ne parle pas des cobayes
Ils sont prêts à donner des milliards aujourd'hui à des gens pour qu'ils les accompagnent, pour atteindre leur objectif. C'est ce projet Al-Poulal qui est en train de nous assassiner aujourd'hui tous. Ce n'est plus de la politique maintenant. Ce n'est plus de la politique maintenant. Je vous ai dit, c'est Loudalé. Et je vais le répéter. Pour avoir sa communauté, j'ai dit, il est le leader d'un parti politique et non d'une communauté. Il est le leader d'un parti politique. Les victimes dont eux-mêmes créaient sur l'axe, au lieu de parler de justice pour tous les Guinéens, au lieu de parler de justice pour tous les Guinéens, on victimisait une communauté. C'est le but, c'était de laver le cerveau de ces gens. Et quand un leader dit, ah, ils sont contre les peuples, même toi qui n'es pas avec lui, tu te sens touché. C'est comme s'ils sont contre ta communauté. C'est ça la politique. Et c'est comme ça qu'il a eu beaucoup de moutons, je dis bien. C'est comme ça qu'il a eu beaucoup de moutons. Voilà. Parce que en vérité, on ne le suit pas pour ce qu'il a fait dans le passé. S'il faut parler de son bilan, c'est le pire des cadres guinéens. Le pire des cadres guinéens qui a pillé nos biens, qui a vendu, qui a déterré les rails, vendu Air Guinée, privatisé les usines où les Guinéens travaillaient. Ils n'ont pas pu faire marcher ces usines. Mais je l'ai dit, c'est le projet Al-Poulal aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest est menacée par ce projet. Quand eux-mêmes ils publient la photo de Bouhari, de Macky Sall, de Ambalo, ou je ne sais de qui d'autre, c'est le projet qui est là. Donc, les cotisations un peu partout, s'ils font, ils rassemblent assez d'argent, c'est ça. Ce qui est inculqué dans la tête des gens, que le combat c'est pour nous. Sinon, je l'ai dit, vous n'allez pas voir un forestier, un groupe de jeunes forestiers, donner de l'argent, vous n'allez pas voir un jeune, un groupe de la Haute-Guinée, donner de l'argent de la basse-côte. Je vous ai dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Partagez au maximum la vidéo. Nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, le mal est en train de gagner. Prendre du terrain aujourd'hui chez nous. Vous devez partager au maximum. Je l'ai dit, le mal est en train de s'installer chez nous aujourd'hui. Les ethnos, ceux qui veulent opposer les gens du Fouta aux autres avec leur projet à diviser les gens. Je dis bien, tous ceux qui sont dans l'esprit Al-Poulal ou un peuple du Nigeria doit soutenir un peuple de la Guinée. Nous, on ne va pas réveiller l'empire du Mandé. Nous sommes des Guinéens. L'Afrique est déjà découpée. Nous sommes Guinéens. Nous devons développer le nationalisme. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand il y a élection en Sierra Leone, on dit, mais attends, il y a autant de Guinéens ici. Quand il y a Sierra Leone au Sénégal, il y a autant de Guinéens là-bas. Parce qu'il n'y a pas de différence. Avec le projet Al-Poulal, c'est les mêmes. Avec le projet Al-Poulal, c'est les mêmes. Voilà. Avec le projet Al-Poulal, c'est les mêmes. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'UFDG. Et vous devez vous réveiller, mes frères. Vous devez vous réveiller, mes frères, aujourd'hui. Voilà. Vous devez vous réveiller. Actuellement, c'est ce qui est en train de nous étouffer tous. Donc, réveillez-vous. Voilà. Nous ne sommes pas contre l'unité du Fouta Diallo. Mais le projet Al-Poulal, nous sommes contre aujourd'hui. C'est ce qui est en train de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous avez vu le nord du Mali? La vidéo, je l'ai postée la dernière fois. Eux-mêmes, ils ont signalé la vidéo. Mon compte a été fermé 24 heures. La vidéo, je l'ai postée. Les paroles en bas de la vidéo, ce n'est pas moi. Vous saviez bien, ce n'est pas moi qui ai monté la vidéo. Donc, quand je dis aux gens de se réveiller, vous avez vu encore un groupe en Sierra Leone. Un groupe aussi de djihadistes en Sierra Leone. Donc, le mal est en train de s'installer autour de la Guinée. Ce n'est plus des élections. On ne parle plus d'élections aujourd'hui, mais plutôt un clan ethno qui est en train de mettre leur empire en place. Et vous devez vous réveiller. Ouvrez les yeux. Voilà. S'il faut parler de développement, ce que le professeur a fait pour ce pays, aucun. Quelle que soit la dette extérieure de la Guinée, ce qu'il est en train d'apporter à la Guinée, aucun. Je l'ai dit. Ne serait-ce que Simandou seulement, ça suffit pour le bilan du professeur Alpha Condé. 250 millions de dollars
à 14 milliards, j'ai dit, aucun Guinéen ne peut me défier, dire qu'un Guinéen a payé de l'argent pour les barrages que le professeur est en train de réaliser. Aucun Guinéen, c'est sa politique. Aucun Guinéen n'a mis 5 francs pour le travail que le professeur est en train de réaliser sur le terrain aujourd'hui. Tout ce qu'il est en train, tous les barrages là, aucun Guinéen. Voilà, il a cherché les moyens. Quand on parle de développer, il faut chercher les moyens. Il a fait sa politique pour avoir ces barrages que nous avions aujourd'hui, que d'autres sont en cours. Et en plus, le projet Simandou, les années à venir, après la finition de Swapeti, l'économie, tout va changer. Tout va changer. Je vous dis, le projet Simandou, c'est à 14 milliards. 250 millions à 14 milliards, grâce au professeur Alpha Condé. Hein. Je dis grâce au professeur Alpha Condé. Ceux qui s'asseyent pour bavader. Ah, attends. Vous vous imaginez? Hein? Vous vous imaginez 14 milliards? Ce que cela va apporter à ce pays? Vous vous posez la question pourquoi la Banque mondiale, aujourd'hui, les institutions financières, sont prêtes à donner de l'argent aujourd'hui à la Guinée. Pourquoi ces institutions veulent donner de l'argent à la Guinée? Parce qu'ils savent qu'on a les moyens de rembourser. Avant, pourquoi ils ne donnaient pas? Pourquoi la Banque mondiale ne donnait pas l'argent à la Guinée? Parce qu'ils savent qu'on a les moyens de rembourser aujourd'hui. Donc, asseyez-vous, ne vous levez pas face à ces ethnos de l'UFDG qui sont soutenus par la CEFT d'Alpoulal au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau. Je vous dis, même en Sierra Leone, réveillez-vous, ce n'est plus de la politique, mais un clan qui veut installer leur empire dans notre pays. C'est ce qui est là aujourd'hui et c'est ce qui est la vérité aujourd'hui. Un clan, je dis bien, s'ils sont véridiques, s'ils peuvent nous donner le bilan de leur boulanger, c'est Loudal. Sinon, autant de compter. Les moutons, autant de compter. Qui était le parrain du koudéisme? C'était Seloudal. Je l'ai publié. Allez-y chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Selou, la solution pour nous. Allez-y chercher. Même ce que vous dites, vous allez prendre les armes. Prenez les armes. Les élections, le professeur Alpha Condé passera haut les mains. Les Guinéens ont compris vos manipulations. Allez voir, je ne sais, le Kountigui. Allez voir. Quand Selou dit, non, c'est la basse cote qui nous empêche que cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Ce sont eux qui sont dans l'esprit ethno. Dire que si les sous-sous les soutiennent, non, c'est fini, ils vont gagner les élections. Je vous dis, le monsieur, pas plus divisionnaire que Selou Dalé. Pas plus divisionnaire que Selou. Je l'ai dit, maintenant, on va parler. Les campagnes ont commencé. Je vous ai dit ça depuis fort longtemps. J'ai dit, les campagnes ont commencé. Nous allons parler, vous allez comprendre. UFDG, c'est fini, je vous dis. Voyagez même si vous voulez 10 000 personnes, de préfecture en préfecture, pour faire des images. Mais la réalité aujourd'hui, c'est ça. Même Grampé, face à Selou Dalé, il va perdre. C'est pas pour rien. Il a trompé Kouyaté, Sidia, les autres. Pour lui, s'il est en face, oui, on va manipuler. La forêt va voter pour lui. La basse côte va voter pour lui. Jamais bidé. Il a joué bidé, je vous dis. Donc, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. Le combat continue encore. Même ce soir, la nuit encore, je ferai des vidéos. Partagez au maximum. Le mal est en train de s'installer en Guinée. La CENI, je dis bien la CENI, ils sont en train de corrompre la CENI parce que le président de la CENI, il est très jeune. Le jeu, c'est plus fort que lui. Il faudrait que le gouvernement, les responsables du RPG se réveillent. Les responsables du RPG, réveillez-vous. Je dis bien, réveillez-vous. La CENI, ne dormez pas. Réveillez-vous. La CENI, ils sont en train de tout mettre en œuvre. Le système clouné et corrompre les responsables. Ils ont les moyens, j'ai dit. Le système Alpoulal, ils sont forts, il faut le reconnaître. L'argent, ça vient d'un peu partout, je vous dis. L'argent, ça vient d'un peu partout.